Avec Mon Roi, son quatrième long métrage, Mai Wei nous embarque dans une histoire d'amour passionnelle. Après le film choral Police, sa caméra s'arrête sur un duo, Emmanuel Berco, Vincent Cassel. Ils forment un couple où chacun est accro à l'autre sans parvenir à vivre ensemble sans se détruire. Mai Wei nous raconte cette idylle du point de vue féminin, celui de Tony. Je te connais pas en fait. On se connaît pas en fait. Au départ, je me suis pas dit je vais faire un film du point de vue de la femme. Je voulais que ça soit plus sur le couple. Mais à un moment donné, on savait plus trop à qui écouter, qui croire. Donc il a fallu prendre parti. Et ça s'est plus ciselé au montage. De son histoire familiale à l'intimité des actrices ou encore le quotidien d'une brigade des mineurs, Mai Wei, par son cinéma, recherche une forme de vérité, un réalisme fictionné. Et cela, elle l'atteint par une méthode bien particulière, à commencer par sa direction d'acteur. On a voulu qu'elle nous l'explique, mais... Je sais pas, moi, comment je travaille. Je sais pas quoi vous dire. De toute façon, j'arrive pas à expliquer comment je travaille, c'est simple que ça. Hein. Bon, c'est donc vers ces acteurs qu'on s'est tourné, la méthode Mai Wei en 4 points. La méthode de Mai Wei consiste à, justement, au moment de tourner, se débarrasser, non pas du scénario, parce qu'on tourne les scènes, les situations qui sont décrites dans le scénario, mais on ne doit pas dire les dialogues. Donc on doit les inventer. Et c'est en fait un travail qui se fait en live, en fait, sur le moment, sur l'instant. Aussi loin que porte ton regard, tu peux choisir ce que tu veux. C'est pour toi. C'est à toi? Non, c'est pour toi. C'est pour moi. Des dialogues que nous avons dit, il doit y avoir 2% qui étaient écrits. Le reste était écrit dans l'idée, mais dans la manière de formuler les choses et d'arriver au même résultat. Te l'offrons. C'est vraiment de l'impro. Vas-y, prends des crèmes, prends des brosses à dents. Prends des pompes à venin. Et du coup, il y a un moment où on se retrouve, on est obligé de fournir avec des choses de son vécu, en fait, concrètement. Et donc, il y a des accidents qui ont lieu, comme ça, et on se retrouve à dire des choses, et puis l'autre répond, et puis ça nous emmène ailleurs. Des fois, on a même l'impression de partir très très loin de la scène. Mais finalement, non. Non, mais j'ai envie d'essayer, parce qu'il paraît que c'est vraiment... C'est la fleur fusil, quoi. Absolument. Je vais te promener dans la rue. Pardon, excusez-moi. L'improvisation, si elle n'est pas cadrée très vite, les acteurs ils se mettent à commenter à voix haute ce qu'ils sont en train de faire. Donc il n'y a rien de plus inintéressant qu'une impro comme ça à l'air libre. Donc ça ne veut rien dire. Le moment de grâce, c'est quand les gens s'écoutent, je pense. Avec moi particulièrement, qui était parfois à court de mots, elle me soufflait plein de choses à dire et des choses qui pouvaient me relancer pour poursuivre dans la scène. Elle est derrière le combo, donc vous avez le petit moniteur pour les gens qui ne connaissent pas. Et elle regarde, et puis elle dit... Et des fois, elle me disait de dire un truc alors que j'allais le dire. Et des fois, je disais, mais arrête de me dire ce que je dois dire, je sais. Donc en fait, au bout d'un moment, ça la faisait marrer, et ça voulait dire qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Comme un entraîneur sur le ring, quoi. Il ne vous laisse pas tout seul au combat, il est là à côté de vous, il vous dit quoi faire, où taper, comment taper, comment quand vous reposer. Voilà, c'est de cet ordre-là. D'abord, on fait deux caméras, c'est-à-dire qu'en fait, donc, quand il y a des prises, en fait, tout est montable, puisqu'elle a le champ, le contre-champ en simultané. T'as été avec une fille normale, toi? Comment c'est normal, là? Bah, une fille comme moi, une fille normale. Est-ce que toi, tu crois que t'es normal, toi? On peut faire une prise et faire trois fins de scène totalement différentes dans la même prise. Après, elle, son travail s'épanouit quand même énormément au montage, puisqu'elle a une énorme matière dans laquelle elle va aller chercher le film qu'elle a envie de raconter. Il y en a, c'est les voitures. Moi, c'était les jolies nanas, voilà, c'est tout. On fait vite le tour. Hein. Avec Mai Wei, moi, j'ai eu l'impression de vivre des choses plutôt que de les jouer. J'essaye toujours de garder ce qu'ils sont dans le rôle. J'essaye pas de trop fabriquer non plus. Et puis je dis souvent, est-ce que tu te sens bien dans ton costume? Est-ce que tu sens la scène? Est-ce que tu sens le dialogue? J'ai l'impression que s'ils se sentent pas à l'aise, ils vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, merci. Oh, c'est nul tout ce que je dis.